Vous désirez ? Je viens voir Marc Forez. Vous avez rendez-vous ? Non. Mais c'est de la part de Carole Lévesque. Merci. Monsieur, vous avez un rendez-vous. Suivez-moi. Bonjour. Julie Lévesque, la fille de Carole. Quelle ressemblance! Que devient-elle? Elle est décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. La semaine dernière, je me suis enfin décidée à ranger son bureau et... j'ai trouvé cette lettre dans un tiroir. Julie, lorsque tu étais enfant, tu m'as souvent demandé pourquoi tu n'avais pas de papa. À chaque fois, je détournais la conversation et je t'en demande pardon. J'ai vécu 3 ans avec ton papa. Nous nous aimions beaucoup. Tu es une enfant de l'amour. Mais le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je suis partie et je n'ai jamais cherché à le revoir. Il ne sait pas que tu existes. Il s'appelle Marc Forez. Je te demande pardon de t'avoir privé de ton papa. Maman qui t'aime. Jacques, laissez doux. Tu veux un café? Oui, je veux bien. Tiens, assieds-toi, assieds-toi. Parle-moi d'elle, de ta maman, et de toi aussi. Par où commencer? Maman était neurologue. Elle dirigeait la clinique Saint-Augustin. Et comme elle travaillait beaucoup, c'est mamie qui s'occupait de moi. On habitait toutes les 3 dans la maison de mamie. Attends, celle où j'allais chercher Carole au tout début où nous sortions ensemble? Celle-là? Oui, oui, c'est celle-là, oui. J'y habite toujours, mais je l'ai fait rénover. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis chirurgienne. Chirurgienne? Oui. Depuis combien de temps? Tu ne veux vraiment pas rester à déjeuner? Non, c'est gentil, mais je travaille cet après-midi. Bon. Attends, attends. Mon numéro de téléphone et mon mail. Merci. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. C'est magnifique. Ouh. Tu sais que ça fait plus d'un an qu'on se connaît, Julie. Mm-hmm. Oh. Et j'ai une surprise pour toi. Ah. J'ai fait les démarches pour la reconnaissance de paternité. Et nous avons rendez-vous mardi à 15h. C'est pas vrai? Merci. Merci papa.
Surtout, apporte bien ton livret de famille et la lettre de ta maman. Tiens. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Ça, cadeau ? Bon, pour deux personnes, pour un voyage de 10 jours. Eh bien, retourne. En Laponie ? Madame Julie Lévesque ? Oui. Bonjour. Section de recherche. Lieutenant Norbert Dupuis, adjudant Sonia Legrand. Nous aimerions vous poser quelques questions. À propos de quoi ? On peut entrer ? Oui. Vous connaissez cet homme ? Oui. Quelles sont vos relations ? Il lui est arrivé quelque chose ? C'est votre amant ? Non. Nous sommes missionnés par la sécurité intérieure du territoire de Paris, qui a été contactée par Interpol. Nous n'avons pas tous les éléments, mais le nom de Marc Forez ressort dans le cadre d'un dossier lié au trafic d'organes humains. Il est agent commercial ? De trafic d'organes humains. Depuis quelque temps, vous vous téléphonez et vous vous rencontrez. Quelle sorte de relation entretenez-vous avec Marc Forez ? Vous participez à son trafic ? Mais non ! C'est mon père ! Écoutez, je suis désolée, mais Marc Forez est bien impliqué dans un trafic d'organes. Paris veut l'arrêter. Mais la mission écoute n'a rien donné de probant. Il utilise l'application Telegram. Qu'est-ce que c'est ? Les messages envoyés via Telegram sont cryptés. Seul l'expéditeur et le destinataire peuvent les lire. Paris nous demande de leur apporter des preuves concrètes. Pour cela, nous avons besoin de votre collaboration. Il vous suffirait de lui faire croire qu'un de vos proches a besoin d'une greffe de rein. Il voudra vous aider et vous faire des propositions. Vous porterez ce collier. Pour l'actionner, vous appuyez sur ce bouton et nous recevrons directement vos conversations. Vous savez qu'en protégeant, vous vous rendez complice. Pour me joindre. Dès que vous serez prête. Au revoir, madame. Oui ? Merci. Bon, Julie, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Arrête. Quand t'es pas en salle d'op, tu t'enfermes dans ton bureau. Et le soir, tu pars comme une voleuse. Chagrin d'amour ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Un peu fatiguée, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une amie qui m'a demandé mon avis et je sais pas quoi lui répondre. À propos de quoi ? Elle a fait la connaissance de son père. Quelqu'un de bien. Ensemble, ils ont des projets pour rattraper le temps perdu. Elle a eu la visite de la police. Ils prétendent qu'il est trafiquant d'organes humains. Ils lui ont demandé de le piéger pour l'arrêter. Elle en a parlé à son père ? Non mais t'es folle. Elle risque de le perdre. Bah, c'est pourtant le meilleur moyen de savoir ce qu'il en est et quel genre d'homme c'est. Non, mais c'est quelqu'un de bien. À soupçonner de trafic d'organes humains. Mais c'est son père.
Il peut quand même pas trahir son père. Écoute, Julie, t'es pas en face d'un trafic de cigarettes, mais un trafic d'organes humains. Je passe te voir ce soir et on en reparle. D'accord? D'accord? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur est sorti, mais il ne devrait pas tarder. Merci. Bon, en attendant, on va voir dans son bureau, il y a peut-être des documents. Ça va pas, non? Allez, vas-y. Pas d'être venu avec une amie. Mon père, une amie Clémence. Enchantée. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? J'ai eu la visite de la police. Et qu'est-ce qu'ils te voulaient? Ils m'ont dit que tu étais trafiquant d'organes humains. N'importe quoi, Julie. Je ne trafique pas. Je ne suis qu'un intermédiaire. Un intermédiaire? Oui. Lorsqu'une personne a un besoin, elle me contacte. C'est-à-dire? Elle m'envoie un message sur un site et je transmets sa demande à des organismes. C'est tout? C'est tout? Et tu envoies le message à des organismes criminels qui exploitent de pauvres gens? Non, personne n'est exploité. Les donneurs sont volontaires. Volontaires? Mais certainement pas. C'est prouvé que des rabatteurs font pression sur des réfugiés qui sont obligés d'accepter pour payer leurs passeurs. Je suis pas au courant. Ah. Attends, tu vas pas me faire croire que tu fais partie d'une organisation criminelle sans en connaître les rouages. Mais je ne fais partie d'aucune organisation, Julie. Je suis indépendant. Par contre, vous avez dû entendre parler des enfants kidnappés ou tués. Oui. Une rumeur qui n'a jamais été prouvée. Comment? Jamais prouvée? Mais des témoignages font régulièrement état de la disparition d'enfants aux mains de trafiquants d'organes. L'UNESCO signale le cas d'une enfant de 3 ans retrouvée morte. Ses organes avaient été prélevés. Écoute, ça suffit, Julie. Il y a peut-être des réseaux mafieux, mais je ne travaille pas. Est-ce que tu sais que lorsque j'ai un demandeur, je contacte un organisme aux Philippines ou au Cambodge? Et là-bas, crois-moi, il n'y a pas de kidnapping. Les gens sont vraiment volontaires. Puis c'est du donnant-donnant. Est-ce que tu sais qu'un donneur reçoit 2000 à 3000 dollars et qu'avec cet argent, il sauve sa famille de la misère? Oui. Le receveur évite la mort. C'est du gagnant-gagnant. Où est le problème? Le problème? Le voilà. Un homme est venu me demander si je voulais vendre un de mes reins. J'ai dit non. Mais nous sommes très pauvres et l'homme parlait tout le temps de beaucoup d'argent. Alors j'ai accepté pour sortir ma famille de la pauvreté. Avec l'argent, j'ai payé mes dettes.
Mais aujourd'hui, je suis toujours fatigué. J'ai des douleurs et je ne peux plus travailler. Alors, c'est pire qu'avant. Je n'aurais pas dû dire oui. Tu te rends compte que leur seule richesse, c'est leur corps. Et toi, tu leur voles. Mais encore une fois, Julie, je ne suis qu'un intermédiaire. Ce qui se passe après, c'est l'affaire des recruteurs ou du médecin qui opère, mais pas la mienne. Mais c'est faux. Dans la mesure où tu donnes les coordonnées d'un demandeur à une bande de voyous, dont le seul but est de s'enrichir. Et qui, de surcroît, se moque de pauvres gens soient vendus en pièces détachées. Vous êtes autant responsable qu'eux. Mais vous, de quoi je me mêle? À tous ces bien-pensants qui créent au scandale. Mais qui changeraient sûrement d'avis si un de leurs proches avait un besoin urgent, non? Non mais peu importe ce que font ou pensent les autres, il s'agit de toi. Maman était au courant de ton trafic? Non, non, non. À moins que... C'est d'un Brest dîner. Non, merci. Julie! Julie! Monsieur, vous n'allez quand même pas vous laisser faire par cette malade. Ma fille, Jacques. Ma fille.